Le championnat de karaté de la Suligue Lumumba Vuvu s'est déroulé samedi 15 mai dans les installations de l'école Thomas Sankara. L'activité a été placée sous l'autorité de Madame Solange Kimbwala, inspectrice des sports et de l'éducation physique de Vuvu. Lors de la cérémonie d'ouverture, 3 communications ont été faites. Celle du président de la Suligue de Lumumba Vuvu, Olivier Boulingui, du président de la Ligue départementale de karaté, Michel Malalou, et celle d'ouverture prononcée par Solange Kimbwala. De fil en aiguille, les 48 athlètes rangés dans sept clubs ont compéti de 10h à 14h. Il y a eu des démonstrations, mais également des duels en fonction des poids, en l'occurrence, les moins de 60 kg et les moins de 75 kg. Au terme de ce championnat, 3 trophées ont été remis respectivement au 3e club, Fujiyama, au 2e club, Sécurité Kamikaze, et au 1er club, Okinawa Rando. Son capitaine Oba Sisek a bien voulu apprécier ce championnat. Le championnat vient de se bien dérouler. Ce qui est bien, c'est que les arbitres aussi étaient un peu prudents. Je remercie encore le bon Dieu parce qu'il n'y a pas eu des incidents. Je remercie la Ligue de Pointe-Noire vu l'organisation. Depuis qu'on a commencé, c'est pour une première fois qu'on puisse nous surprendre au championnat sous-ligue, qu'on puisse avoir des trophées. Olivier Boulingui, président de la sous-ligue de karaté de Lumumba Vuvu, s'est aussi exprimé à ce sujet. Bon, les sentiments sont vraiment des sentiments satisfaisants, dès lors que, avec les circonstances actuelles, les clubs ont donné l'effort d'eux-mêmes pour participer et présenter vraiment un travail satisfaisant. Et nous en sommes vraiment très contents. Aux prochaines occasions, c'est de demander à tous les clubs de participer, parce que là, il y a eu seulement 7 clubs qui ont participé sur 14 clubs qui sont enregistrés. Mais nous voudrions bien que la séance prochaine, nous puissions avoir la participation de tous les clubs pour mener à bien le sport dans notre sous-section. Selon Jacques Mbouala, l'inspectrice des sports et de l'éducation physique de Vuvu, a clôturé ce championnat en ces termes. Messieurs les sachants du karaté, je sais que vous avez abordé ce championnat dans le strict respect de l'art. Donc, rassurez que les résultats techniques sont ceux acquis à cet effet. À vous les perdants, perdre aujourd'hui n'est que gagner demain. Aux gagnants, je vous dis félicitations. C'est en ces termes qu'au nom de 2 inspectrices, je déclare clos notre championnat sectoriel. Je vous remercie.